À l'heure où je vous parle, mon chat m'a rejoint. Il ronronne. Je ne sais pas si vous pourrez entendre ses ronronnements, mais la douceur de son âme m'apaise et me dit que je dois continuer et continuer et continuer à avancer. Car là où tu te trouves, se trouvent tous les autres mondes. Proverbe acidique. Et oui, tous les autres mondes. Mon monde se trouve souvent à l'an. Là où j'ai mon cœur, là où j'ai grandi. Le début de ma balade commence par le pont-levis. Puis, par les remparts de la citadelle où les enfants jouent. Il y a aussi mon arbre, l'arbre de tous les enfants, celui que tout le monde aime, car on peut grimper dedans. Cet arbre où je vous montre ses branches. Je continue à avancer, seul, mais le pas décidé. J'écoute par-ci, par-là, un hélicoptère qui passe. Un avion dans le ciel, mais surtout le calme et le repos de ce doux moment. L'homme porte le mystère de la vie, qui porte le mystère du monde. Edgar Morin. Oui, le monde est mystérieux. Je suis toujours fascinée par la cathédrale. Il me demande comment est-ce possible d'avoir bâti un tel édifice, c'est juste magnifique et je me lasse pas de la regarder. Être seul ne veut pas dire que nous le sommes. La solitude est nécessaire. Elle permet de se recentrer sur soi et d'avancer encore plus sereinement. Alors j'avance. Je m'arrête à une boutique, j'achète quelques objets celtes, je me reconnecte à moi. La vie est comme une toile, il faut sans cesse la peindre, mélanger les couleurs. On peut même y peindre la joie, la peine, mais aussi le bonheur. Je marche dans la rue Châtelaine, près de la porte des Chenizelles. Puis mon parcours se fait dans les rues de Laon. Mon point de repère sera toujours la cathédrale. La cathédrale qui est si belle, si grande, si majestueuse. Il faut écouter le silence, entrer dans le silence et faire un avec le silence pour comprendre le sens du monde. À bientôt, tout le monde!